شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le ramadan approche à grands pas, une période pendant laquelle on pourra montrer le meilleur de nous-mêmes et dépasser nos propres limites en termes de bonnes actions ainsi que d'adoration. La chose que nous devons le plus entretenir et préserver, c'est notre lien avec Allah. Et dans ce verset, Allah nous a parfaitement résumé l'utilité de ces actions que l'on fait chaque jour et pendant toute notre vie. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le but de Shaytan est de ruiner, de détruire ce lien que nous devons avoir avec Allah. Allah nous dit dans le Coran que le fait que certains d'entre nous s'enflent d'orgueil et tombent droit dans l'égarement n'est qu'à notre propre détriment. Et Allah, s'il le voulait, nous remplacerait par un peuple qui l'adorerait de la même manière ou encore mieux que les anges. Pourtant, il a choisi de donner à chacun l'opportunité d'agir pour soi-même en bien et d'ainsi récolter une récompense pour les plus infimes de nos bonnes actions. Et parmi les moyens les plus négligés pour avoir des millions de bonnes actions et avoir autant de péchés effacés, il y a le fait de mentionner Allah à n'importe quel moment de la journée. Que ce soit les invocations du matin, juste après la prière, avant d'entrer chez soi, aux toilettes ou avant de dormir, toutes ces invocations avec un sens profond nous connecteront avec Allah et ses paroles qui deviennent une habitude apaisent le cœur et nous garantissent une vie douce, ici-bas et dans l'au-delà. Certaines personnes, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie, cherchent des coupables invisibles ou bien des personnes pas forcément fiables à qui raconter leurs soucis. Et malheureusement, à cause de ces fausses solutions, ils ne régleront jamais ces problèmes qui leur gâchent la vie. Parfois, on cherche des solutions beaucoup trop compliquées, alors que ce dont nous avons besoin est juste sous notre nez. Et dans la sourate Al-Baqara, voici ce que nous dit Allah. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peu importe la situation, rappelons de parler et demander à celui qui nous a créés. Peu importe la langue, celui qui vit une détresse et qui demande sincèrement à Allah de l'en débarrasser, alors qu'il est en totale incapacité, verra apparaître une solution là où personne ne l'aurait imaginé. Que ce soit avant un examen, après une dispute avec son conjoint, après un effort ou une journée fatigante, ou après que quelque chose de spécial nous soit arrivé, pourquoi nous ne pensons pas à communiquer avec Allah, alors qu'il nous répète plusieurs fois dans sa révélation qu'il entend la moindre de nos conversations? Et c'est pour ça que nous devons à tout prix apprendre qui est Allah et croire fermement en lui, afin que l'islam, notre lien avec Allah, encadre chaque moment de notre vie. Prendre cette habitude de demander des choses à Allah, même lorsque les choses vont bien dans notre vie, lors de problèmes plus graves, on sera beaucoup moins attristé. Et ces problèmes, avec l'aide d'Allah, seront beaucoup plus faciles à surmonter. Nous prenons l'habitude de, par exemple, dire des vulgarités, des gros mots ou encore d'autres péchés, mais le fait de beaucoup mentionner Allah ne fera que de nous élever. Et en plus du fait que les membres de notre corps et les endroits où ces paroles ont été prononcées témoigneront pour nous au jour dernier, ces paroles changeront nos mauvaises actions en bonnes et nous accorderont la demeure de l'éternité.